Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trustee, le syndicat de la mode. Aujourd'hui on se retrouve avec un haul mode spécial vintage. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien abonne-toi et suis-nous sur Instagram. Et en ce moment tu peux télécharger gratuitement donc notre guide mode, donc le guide mode des filles stylées. Dans ce guide mode tu vas trouver quoi? Tu vas trouver des inspirations de look, tu vas trouver des conseils en style. Le lien est en bas dans la barre d'infos. Et surtout si tu as des problématiques stylistiques ou une question à nous poser, tu peux laisser un commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Donc partagez et likez et c'est parti pour la vidéo. Donc on est très contente de vous retrouver. Donc ça faisait un petit moment. Voilà, et il s'est passé des choses. Et voilà, il y a eu les vacances entre temps, on est rentré il n'y a pas très longtemps, mais là, on va dire que le 2 novembre, c'est notre rentrée sur YouTube. Voilà, sur YouTube, donc on filme là le 2 novembre, donc on vous mettra la vidéo dès qu'on fera le montage. Et donc, bon, on va s'organiser autrement, il y aura des petites choses à venir et on espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à aujourd'hui et merci à tous les gens qui se sont abonnés entre temps. Donc, ça fait grandir la communauté et on est super contente. Donc là, on commence en force avec ce haul et j'attaque direct avec ce super beau manteau. Manteau qu'on a trouvé sur Vinted. Donc Vinted, c'est un bon plan aussi pour avoir du vintage. Et là, c'est un manteau en drap de laine. Donc c'est de la bonne matière, il a une bonne découpe. Avec ce petit manteau là, je vais avoir bien chaud. Et surtout, ce que j'aime, moi, c'est sa coupe qui est oversize. Donc ici, il y a une série de boutons. Il y a des poches aussi sur le côté, donc je vais pouvoir mettre plein de choses. Non, c'est devant. Sur le côté, non, les poches, elles sont devant. Il y a des poches qui est vraiment pile poil dans la tendance. Et toujours pareil, hein, ce côté oversize pour avoir une super dégaine. Je vais pouvoir me mettre avec plein de choses, des costumes, des jeans. Voilà, je peux faire des combinaisons super sympas avec ce manteau donc vintage que j'ai acheté sur Vinted. Alors je vous présente aussi un manteau qui vient aussi de chez Vinted. Cette tendance des manteaux oversize en drap de laine qui sont hyper classe, hyper chic, hyper élégant. Donc vous voyez qu'il y a des petits détails sur les manches, il est ceinturé, il y a une fente à l'arrière, on va faire des petits looks sympathiques. Et donc Vinted, c'est une bonne surprise hein, pour tout ce qui est vintage. Hein. Et oui, et on en profite aussi pour dire que nous aussi, on a un compte sur Vinted. Donc on va vous mettre voilà, notre nom, le lien pour que vous puissiez aller voir. Parce qu'il y a des trucs sympas qu'on a mis. Donc on compte mettre aussi un petit peu de vintage. Je vous présente ce petit, c'est un trench en cuir, donc super stylé, super intéressant, super intéressant stylistiquement parlant. Ah, tu fais les sacrés phrases. Ouais. C'est le trench en cuir, c'est moi je trouve que c'est un must-have, c'est quelque chose qui va donner du style à vos looks. On s'habille très simplement, vous rajoutez ce trench en cuir et là vous avez vraiment un look hyper pointu, hyper tendance, juste avec une seule pièce. Oui, parce que c'est vraiment une pièce forte. C'est un basique de la garde-robe aussi, mais le fait qu'il soit en cuir, ça le rend un peu plus statement. Voilà. Bonne matière, bonne qualité, oversize aussi. Donc ce manteau, ce trench là, moi je l'ai acheté au Carré Vintage à Saint-Ouen. Donc c'est au niveau des puces, dans le marché couvert. Donc le Carré Vintage, c'est notre boutique préférée. Donc si vous cherchez du vintage de qualité avec des pièces pointues, donc il faut vraiment aller au Carré Vintage. Avec ce petit teddy, on peut appeler ça teddy bomber. C'est une pièce qu'on a trouvée en friperie. J'avais acheté ça chez Time Machine, donc c'est Amsterdam. Donc une petite boutique, une petite friperie sympa. Donc moi ce que j'aimais bien c'est le côté satiné. Ce qui m'a plu dans ce petit teddy c'est la couleur, donc le combo blanc et rouge. Le petit détail ici, la petite inscription qu'on a là. Ah, c'est un petit tigre en fait. Voilà, un petit tigre, je trouvais ça sympa. Il y a des petites poches qui sont plaquées ici. Ça s'ouvre ici par pression. Donc je trouve qu'il a de la gueule, il a du style. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas un teddy que je vais mettre tous les verres, mais je peux mettre ça et par-dessus mettre un manteau. Voilà, mettre un gros manteau. Je trouve que c'est parfait pour cette saison et ça va donner un petit plus à mes looks. Donc on va enchaîner avec les pulls, avec cette petite marinière. Donc un classique des classiques, oui. Un basique des basiques. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ça dans sa garde-robe. Donc là on est sur une marinière en laine, 100% laine. 100% laine, on est dans l'authenticité vintage de la marinière. Avec cette marinière, on peut vraiment faire le look à la parisienne. Donc imaginez soit le trench en cuir qu'on vient de vous présenter juste avant, ou alors un simple trench beige, un petit Levi's. Le petit jean 501 qui va bien, les petites bottes que vous rentrez à l'intérieur, vous pouvez même mettre la casquette marin, la casquette de marin est là, vous êtes tout à fait dans le look de la parisienne avec des petits basiques. Donc cette marinière, je l'avais achetée au puce de Clignancourt, mon Clignancourt Saint-Ouen c'est la même chose, donc au puce de Clignancourt, donc bonne qualité et... Voilà, authenticité intemporelle. Oui, parce que l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, il pourra être encore dans notre garde-robe. Ce magnifique pull torsadé, donc pareil, 100% laine. Il est hyper épais. Avec ça, on a chaud. On met juste un t-shirt en dessous. Le petit retroussage de manches, il est vraiment au top. En plus, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est long. Donc, je peux m'en servir un peu comme une tunique, un peu comme une robe. Avec ça, je vais faire des looks sympas. Et en plus, j'aurai toujours chaud. Donc, pareil, ça, c'est quelque chose qu'on avait acheté à Amsterdam. Il y a encore l'étiquette, je ne l'ai pas encore mis. Et là, c'était chez Jones Vintage. Donc on vous mettra tous les liens. Donc pareil, là c'est une friperie où il y avait des trucs mais vraiment incroyables, super sympa. Et moi j'ai craqué sur ce basique. Ça me faisait penser un peu à la photo, je sais pas si vous voyez Marilyn Monroe dans un gros pull blanc comme ça. Bah, je trouvais que c'était tout à fait l'esprit. J'ai hâte qu'il fasse froid pour que je puisse mettre mon super beau pull. Bah, avec ce pull là, toujours le combo, là le petit manteau qu'on vous a présenté tout à l'heure. Vous mettez le pull, un jean et une paire de bottes et c'est parti, un look élégant, un look intemporel pour l'hiver. Donc ça c'est les looks qui marchent toujours. À tous les coups. Et ben en parlant de looks qui marchent à tous les coups, donc on enchaîne directement avec ce super beau gilet. Je sais pas si on dit gilet ou cardigan. Oui, cardigan, ouais. Gilet, mais là vous voyez les détails, vous voyez ces petits boutons dorés. C'est dans un esprit très couture. Donc c'est pas du Chanel, mais en tout cas on a une découpe qui est vraiment magnifique. Il y a des détails un petit peu partout, donc les boutons, les poches, une ici à la poitrine et aussi devant et toujours ces petits boutons. Ça donne du chic, ça donne du style, de l'élégance. Il est vraiment, moi je le trouve parfait. Et en plus la matière elle est vraiment nickel. Il n'y a aucun accro. Les intemporels de la garde-robe. Et avec ça donc pareil, on fait des looks au top. Un petit haut blanc en dessous. On peut même le mettre en tant que veste s'il ne fait pas trop froid. Oui voilà, comme aujourd'hui là il ne fait pas hyper froid. Donc ça on peut mettre un petit pull fin beige ou crème en dessous. Un jean et des bottes, des petites. C'est vraiment simple à accessoiriser. Et voilà, ce petit gilet, on l'a acheté où d'ailleurs? Je crois à Guérissol. Ouais. En parlant de bottes, donc on vous a parlé de bottes tout à l'heure et donc là on en a plein à vous présenter. Des vintage, c'est vraiment quelque chose de rare. Ouais. Parce que nous on galère toujours pour trouver des bottes ou des chaussures vintage à nos tailles. C'est une chose du 41, donc des fois c'est... un peu compliqué, mais là on en a trouvé et ben, on va vous les montrer tout de suite. Voilà, donc cette petite paire de bottes de cow-boy, donc c'est voilà, cowboy boots, c'est dans la tendance actuellement. Donc ces cowboy boots, elles sont vraiment nickel. Je te débarrasse. Ouais, non, elles sont authentiques, elles sont vraiment belles. Elles sont canon et avec ça vous faites des looks mais hyper sympa, hyper simple. Hein. Un petit pull, un jean rentré dans les bottes. Et voilà. Mais c'est vraiment la tendance qu'on a vue dans tous les défilés, le look que tu viens de présenter. Hein. Ah, oui. Dans tous les défilés, c'est ce qu'on vend en ce moment, les bottes qu'on rentre dans le pantalon. Non, le pantalon qu'on rentre dans les bottes, c'est ça. Le pantalon qu'on rentre dans les bottes. Et pour moi, ça reste un classique, hein. Ça reste un intemporel. Donc la boots comme ça de cow-boy, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, elle sera toujours là. Toujours dans ce côté intemporel, donc ça c'est une valeur sûre, on se trompe pas avec. Donc cette paire de bottes, Je l'avais acheté, justement celles qui nous suivent sur Instagram, donc elles savent qu'on revient d'un road trip aux États-Unis. Donc on l'avait acheté à New York. Oui. Et petite info, donc il y a un haul spécial New York qui arrive. Donc attendez. Et voilà, cette botte là, elle vient de chez... il me semblerait qu'on regarde, je crois que c'est... c'est Beacons Closet ou un truc comme ça. Donc ça, c'est la valeur sûre de cet hiver. Et c'est l'intemporel à voir dans... Oh non, oh non. C'est l'intemporel à voir dans sa garde-robe. Donc moi, j'enchaîne aussi avec une autre paire de bottes. Et donc là, on est sur des bottes un peu plus classiques, mais qui sont superbes. Donc elles montent haut, elles arrivent sous le genou. Un petit talon, donc là, c'est quelque chose de plus féminin. Et là, un cuir qui est vraiment de très bonne qualité. Moi, je les trouve nickel, je les trouve superbes. Ces bottes-là, donc je les ai trouvées dans une boutique qui s'appelle Mad Vintage. Donc ça, c'est sur Paris. Donc c'est la première fois que je rentrais dans cette boutique. Et franchement, la boutique, elle était vraiment sympa. Des prix abordables, j'ai hâte de les mettre. C'est vraiment la saison. Et pareil, on vous a dit, c'est vraiment pile poil dans la tendance. C'est comme sur les défilés, donc je vais pouvoir me la raconter avec mes petites bottes. Donc l'hiver, c'est une saison qu'on n'aime pas trop parce qu'il fait froid, on préfère l'été. Mais c'est vrai que l'hiver, enfin l'automne-hiver, c'est quand même une belle saison pour pouvoir mettre des bottes, des bottines, faire des écharpes sympas. Faire des looks sympas parce qu'on peut quand même rajouter des choses. Donc on espère qu'il ne fera pas trop froid, mais on a hâte de mettre nos petites affaires qu'on s'est achetées. Et on a encore, on a encore pas mal d'autres bottes, oui, c'est vrai, on a encore une paire à vous montrer. Donc là, celle-là, moi je trouve que c'est vraiment... ces bottes-là, quand je les ai vues, je me suis dit, oh là là, elles sont canons. C'est là déjà de la couleur. Ouais. Parce que moi je trouve que c'est pas évident de trouver des bottes de couleur. On trouve toujours du noir, du marron, du bordeaux, mais trouver du rose fuchsia, je trouve que franchement, elles sont vraiment bien. On est très très bien dedans. C'est des mi-bottes, enfin c'est des petites, c'est pas des bottines. Non, oui. Ça arrive mi-mollet, voilà, elles arrivent mi-mollet. Il y a un petit talon, elles sont assez fines devant, donc c'est très féminin et confortable. Il y a des fois on n'a pas envie d'être avec des talons, mais on n'a pas envie, on n'a pas envie d'être avec des baskets. Et je trouve que ça c'est vraiment bien, c'est vraiment la bonne alternative. Des bottes féminines avec un petit talon pour pouvoir trotter toute la journée dans Paris. Toi tu trottes la journée dans Paris. Ouais voilà, je trotte la journée dans Paris. Donc là il va trotter avec ses petites bottes roses qui donnent vraiment du peps. Ça donne du peps. Vous avez peut-être un look très simple, vous êtes habillé, je sais pas moi, tout en noir. Vous mettez cette petite paire de bottines, bottines rose fuchsia avec justement un petit trench ou un manteau, joli manteau en laine trouvé sur Vinted, voilà, en laine drapée, en drap de laine, et là vous avez tout de suite un look sympa, et la chaussure, c'est ça qui va vraiment vous donner du style. Donc cette paire de bottines, je l'avais achetée, devinez, au Carré Vintage. Carré Vintage, voilà la boutique où vous pouvez trouver des petites pépites, des petites choses sympathiques. Donc le Carré Vintage, donc à Saint-Ouen. Et ben justement, en reparlant du Carré Vintage à Saint-Ouen, et bien moi j'avais trouvé cette paire de bottes. Et j'avais acheté le même jour. Voilà, cette petite paire de bottes qu'on avait trouvée le même jour. Je voulais des bottes colorées, des bottes sympas, confortables, mais pas avec un trop haut talon, et je les ai trouvées. C'est à mi-chemin entre la botte de cow-boy ou la botte des années 80, comme on vous l'a dit. En ce moment, la tendance de cet hiver, c'est la botte. On va terminer avec un indispensable de la garde-robe, donc le sac à main. Donc j'ai ce petit sac ultra classique. Un côté un petit peu d'Adam, mais ce sac, un côté Jackie Kennedy. Oui, voilà. 13 années 60, donc en croco. C'est la tendance du moment, tout ce qui est python, croco, enfin les imprimés ou les matières, animales. Donc ce sac, il est au top, il est de qualité. Bon là, vous ne pouvez pas le ressentir, mais il est assez lourd parce qu'il y a quand même une fermeture en fer. Enfin, il est vraiment, comment on appelle ça? Il est lourd le sac. Oui, il est lourd. Oui, oui. Donc, le sac est lourd. Pèse. Le sac, il est assez lourd parce qu'il y a quand même une fermeture qui est en fer, tout ça. Mais il a une bonne tenue. En plus, c'est les ouvertures un peu... Ouais, non, comme ça. Ah, voilà, voilà. D'accord. Comme ça. Un peu secrète. Voilà, il s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur... Mais oui, mais t'as mis un livre dedans. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'il est lourd. Elle a mis un bouquin dedans. Donc, il est léger. Voilà, il s'ouvre comme ça. Il y a une petite, je vous montrerai en détail. Ça fait une petite pochette un peu comme un petit porte-monnaie. Voilà, des détails qui sont élégants. Il est classique, mais c'est le classique à avoir dans son dressing. En plus, c'est quelque chose, ce sac, on peut détourner avec des looks un peu plus street. Oui, voilà. Comme ça, pour casser le côté un peu d'Adam. Ou alors en soirée, ça peut être parfait aussi. Hein. Oui, en soirée, mais en tout temps, un sac comme ça, ça va avec tout. Donc ce sac-là, je l'avais acheté, devinez, au Carré Vintage. Donc cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par le Carré Vintage. Mais c'est vraiment notre boutique préférée à Saint-Ouen. En plus, comme on habite juste à côté, le Carré Vintage. Donc pour ne pas changer, moi je vais vous montrer ma petite trouvaille, ma petite pépite. Donc c'est ce petit sac. Tout mignon, esprit couture, hein, ça fait très Chanel. Il y a un petit peu cet effet matelassé. Donc là on est sur un cuir crème blanc, on va dire. Et pareil, donc là on est sur une petite ouverture vraiment toute mignonne. Donc ce sac, je le trouve élégant, c'est un sac efficace qui va avec tout. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, eh ben, laissez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des problématiques stylistiques, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc on se fera un plaisir de vous répondre en vidéo. Ou alors dites-nous simplement donc quelle est votre pièce préférée ou qu'est-ce que vous portez en ce moment. Donc nous, ça nous fait plaisir de vous lire et d'échanger tout simplement avec vous. Donc en attendant, donc, on se retrouve sur Instagram et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao.